Mes amis, soyez les bienvenus dans cette partie. Apparemment, j'ai déjà joué contre cet adversaire. Allons, 28. Ça me rappelle quelque chose, la fin. C'était peut-être pas très longtemps. Ah, il joue un Gombi de Budapest. Très intéressant. Donc là, je défends d'abord avec le fou. Ah, d'accord, il joue la version où il attaque F2, mais ça, c'est pas dangereux, justement. C'est bien que j'ai défendu. C'est pour ça que j'ai défendu d'abord avec le fou. Et pas en premier avec le cavalier. Parce que la même position avec le cavalier ici et le fou là, je pourrais plus jouer fou F4 au prochain coup. Au cas où il aurait attaqué mon pion une fois de plus. Après, je sais qu'il y a il y a aussi des tricks avec G5. Est-ce que je laisse me prendre le fou? Ouais, je pense qu'on s'en fiche. Non, je vais changer quand même. On va voir s'il veut reprendre avec le pion ou la dame. Ok, la dame. Parce qu'elle échange les dames, j'ai toujours mon pion d'avance. Ce cavalier ne menace rien du tout. Le Gambit de Budapest, normalement, vous jouez ça pour attaquer votre adversaire. Donc là, ça n'a pas trop marché son histoire. Peut-être faire le grand roque dans cette position, en fait. Ah non, pas maintenant. D'abord chasser le cavalier. Sinon, fourchette. Ok. Bon, je commence à attaquer le pion. Je pense que je suis gagnant là parce qu'en plus, je menace de venir là qui menace ça, qui menace encore de gagner un deuxième pion. Donc cavalier B5, je vois pas comment il fait pour défendre contre toutes ces menaces. D'accord. Bon, si je viens là, ça attaque la tour, mais ça ne la capture pas. Donc je vais juste prendre le pion. Il n'y a même pas de clouage. Pas de capture du cavalier. Le cavalier peut toujours repartir. Au pire, il s'échange là. Et s'il veut me priver de cette case-là, en faisant F5, bah je viens là. En faisant fou F5, bah il peut pas parce que je le mange. Puis même je pourrais manger l'autre. Deux pions d'avance. Je serais tenté de prendre ce pion. Ou alors simplement je consolide. Après, tout ce qui me reste à faire, c'est sortir mes deux autres pièces. Je pense qu'il menace rien parce que mon pion est défendu trois fois. Il menace juste de faire des échanges.
Non, il n'a pas le temps de prendre, parce qu'en fait je prendrai là d'abord. J'aurais peut-être pu prendre là. Pour gagner encore un pion de plus. Ok, alors je reprends avec le fou peut-être. Pour connecter mes tours. Bon, j'ai deux pions d'avance et vraiment aucun problème dans la position. Là, je lui laisse le choix entre échanger tout. Et aller dans une finale complètement gagnante pour moi. Ou alors me laisser la colonne ouverte. Non, faut juste avancer le roi. Je peux avancer ce pion. Activer le roi en finale, principe très important bien sûr. Là mes pions empêchent son roi de passer pour le moment. De mon côté, je crée un pion passé sur l'aile dame. Je chasse le cavalier, je vais pouvoir progresser avec mon roi un petit peu. Et j'ai encore une autre majorité à l'aile roi. Est-ce qu'il y a une menace? Est-ce que c'est une menace? Parce que. Prends. Prends. Non, c'est bon. Il faut que je prenne dans le sens là. Pas de menace. Bon, s'il ferme, si en plus il ferme la position, il risque pas de créer du contre-jeu sur l'aile dame. Pour l'instant, il fait tout pour me faciliter la tâche. Je crois. Ah non, d'accord, j'ai compris ce qu'il veut faire. Comme il a joué H4 d'abord. Il a réussi à créer un pion passé. C'est ouf ça. Alors qu'il a 3 contre 4. J'avais pas compris ça parce que je suis trop mauvais sur les finales de pions. Bon, il menace de prendre là. Donc faut que je prenne d'abord là. Il va reprendre ici. Prends, prends. Mets ton cavalier D2. Ici. Cavalier F1. Je l'arrête de justesse. S'il joue ça, je prends, prends. Et je l'arrête, mais en passant par là. C'est chaud, hein? Mais mon roi, il peut pas aller vers là.
Par exemple, s'il prend là, je viens ici. Bah, je suis pas obligé d'y aller tout de suite d'ailleurs. Si, je suis obligé d'y aller tout de suite. Sinon, c'est trop tard. Ou alors là. J'ai l'impression que c'est mieux d'aller là. Parce que comme ça, après, je viens ici avec ce pion. Pour que son roi puisse jamais passer en fait. Alors que si je viens là, son roi peut m'embêter. Quoique une fois que je suis là, une fois que mon cavalier est là, il peut pas non plus aller là. Ok, donc là. Je vais peut-être jouer ça. Parce que qu'est-ce qui menace? S'il vient là, je viens là. Il peut pas vraiment progresser. Si je viens, c'est plus facile. Si je viens, c'est mieux. Parce qu'il peut même pas aller sur cette case. Donc, même si mon roi vient. Enfin, pour l'instant, il peut pas, mais. Je le prive d'une case de plus. Je le prive de cette case-là pour essayer, quand il essaye de contourner. Ok, donc là, je peux juste pousser mes pions. Ou alors prendre ceux-là. Ou un mélange des deux. C'est toujours la même histoire, il peut pas passer. Si son roi s'éloigne trop, il va faire ça. Je peux encore venir là, il peut pas venir là. Toujours pareil, mes pions forment une barrière. Donc là, peut-être pousser celui-là aussi. Le roi peut rien faire, mon cavalier surveille les pions. Donc maintenant, je peux sûrement accompagner mon pion B. Ok, partie, enfin finale intéressante, partie surprenante, finale intéressante. En gros, ah il avait une nulle à un moment. Ah j'ai merdé là. J'avais vu ça, je me suis dit que c'était ok. En fait ça rend un pion quand même, il peut en prendre un des deux. Ouais. Donc le gambit de Budapest, c'est quand vous sacrifiez ce pion après avoir sorti le cavalier. Et après, habituellement, les gens, ils jouent cavalier C6. Pour attaquer le pion qu'on a d'avance. Du coup, on le défend avec cavalier F3. Et ensuite, fou B4. Mais d'habitude, ouais, et la raison pour laquelle je défends mon pion d'abord avec le fou, pas avec le cavalier, c'est que si justement il joue fou C5, je suis un peu obligé de répondre avec E3 à cause de la menace sur F2. Mais, du coup après, quand il réattaque mon pion, j'ai un peu plus de mal à le défendre là. Parce que je peux plus jouer fou F4. Donc c'est pour ça qu'il faut, c'est un peu plus précis de défendre fou F4 tout de suite. C'est le coup le plus joué dans cette position par les. Alors, tiens, on va remettre Masters. La base de données est revenue. Fou F4, c'est le coup le plus joué par les pros.
Et du coup, une fois qu'on a joué fou F4, fou C5 est pas du tout dangereux parce que on défend avec. On bloque avec notre pion et notre fou là est du bon côté. Et là, il m'a invité à tout échanger tout en gardant mon pion d'avance. Ensuite, là, j'ai vachement pris mon temps. J'ai vu que je pouvais gagner un deuxième pion. Ensuite, j'ai vachement pris mon temps. J'ai essayé de faire le truc le plus solide, de moins de contre-jeu possible. Et il a facilité tous les échanges. Après, j'ai voulu me créer un pion passé sur l'aile dame. Donc ça, tout ça, c'était très bien. Donc c'est là que j'ai merdé. Ouais, j'avais absolument pas vu que il était possible pour les noirs de se créer un pion passé. À 3 contre 4, visuellement ça marche pas. J'arrive pas du tout à le voir. J'avais calculé que ce coup-là. J'avais remarqué que c'était ok, parce que je prends. Il peut pas créer de pion passé. Peut faire ça, mais là j'avais prévu justement H4, voilà. Et donc je peux le bloquer que parce que j'ai H4. Si je fais ça, il a un pion passé. Et donc en fait, du coup, l'idée, c'est de jouer H4 en premier lui-même. Mais j'ai pas du tout pensé à ce coup parce que pour moi, si tu joues H4, tu peux plus jouer G4. Vu que G4 est attaqué deux fois. Mais en fait, c'est pas le souci. Les noirs peuvent très bien sacrifier un pion. Et là, ils gagnent. Donc c'est la partie, ça d'ailleurs. J'ai échangé une fois. Après, j'ai vu que mon cavalier arrivait juste à temps pour empêcher H2. Donc là, c'était à nouveau gagnant facilement. Sauf ici, comme je disais, ouais, apparemment, j'ai fait une gaffe. Puisqu'il peut m'attaquer. Si je défends ce pion là, il prend l'autre. Et là, ça reste difficile pour les noirs quand même. Hein. Mais l'ordinateur trouve une nulle. Ou alors, si j'ai décidé de défendre l'autre pion, c'était plus ça que j'avais prévu moi. Genre là, comment c'est possible que ça soit pas gagnant? C'est juste parce qu'il peut sacrifier son cavalier. Ah oui, mais c'est bien ça, ça a l'air bien aussi. Mais il a quand même le temps de sacrifier le cavalier. Là, il est gagnant même si je fais ça. C'est chaud, hein? C'est chaud les finales. Ok. Mais la principale erreur de la partie, c'est d'avoir, dans l'ouverture, joué fou C5 dans cette position. Et après d'avoir facilité tous les échanges. Ok, j'espère que cette partie vous a plu. Ça faisait longtemps que j'avais pas complété cette playlist. À bientôt les amis.